Alors, moi, Marthe et les autres, c'est un texte assez différent. Ça se passe dans un Paris qui est dévasté par une catastrophe naturelle ou pas, on ne sait pas. Il y a peut-être eu une guerre, du terrorisme, je ne le dis jamais. En tout cas, le narrateur ne le dit jamais. Et c'est très simple, on suit le parcours d'une petite bande d'amis dans ce Paris dévasté et qui essaye de réinventer des rituels et un vivre ensemble après cette catastrophe. Avec ce site particulier, qui n'ont jamais connu ce qui s'est passé avant. Ils n'ont jamais connu notre monde tel qu'on le connaît nous aujourd'hui. Et ils composent avec des fragments, avec des ruines, avec une mémoire trouée. Donc les devantures des magasins, les noms de produits alimentaires qu'ils parviennent à trouver ça et là, sont parfois amputés de certaines lettres. Donc le langage lui-même est atteint. Ce ne sont pas des Marlboro qui fument, mais des Marlboro. Ils vont piller non pas les galeries Lafayette, mais les Galafayette, etc. Donc c'est une façon de s'amuser de tout ça, et puis aussi de montrer comment on fait quand on est dans une époque comme la leur, mais peut-être aussi comme la nôtre, quand la mémoire nous fait défaut. Aujourd'hui, beaucoup tendance à se référer à nos téléphones quand on ne sait plus quelque chose, et le savoir et la mémoire sont pratiquement maintenant en dehors de nous. Et j'ai essayé de montrer comment eux, qui n'ont rien connu, fonctionnent. Et donc les rituels sont des rituels très simples, hein, de survie et de vie. Comment ils vont se vêtir, comment ils vont se nourrir, comment ils vont s'aimer et surtout peut-être aussi comment ils vont trouver des raisons d'espérer au milieu de ce chaos. C'est déjà ce qui se produit quand tu regardes des devantures de magasins. Parfois le temps fait qu'une lettre tombe et ça produit un effet qui est amusant. Je trouve parfois, parce que même dans les stations de métro, je me suis amusé avec ça, essayer d'enlever des lettres pour voir ce que ça pouvait donner. Mais surtout, pour eux, c'est la réalité. C'est-à-dire que la station Réaume-Sébastopol, telle qu'ils l'appellent, elle n'a jamais été que celle-là pour eux. Et donc, ils essayent de vivre malgré ça, malgré cette amputation de la mémoire. Et ça me questionne beaucoup aujourd'hui parce que j'ai quand même le sentiment que, oui, notre rapport à la connaissance, au savoir et à ce qu'on retient, c'est-à-dire à ce qu'on garde véritablement en nous, durablement, tout ça est quand même en train, je trouve, d'être abîmé par l'espèce d'accélération du temps ou de notre rapport au temps voilà, qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et donc j'ai essayé de réfléchir autour de tout ça. Mais peut-être que ça ne change pas tellement, hein. Peut-être que c'est exactement la même chose qu'avant le chaos ou que pendant le chaos. Je crois que eux ne vivent pas ça comme quelque chose de catastrophique. C'est parce que nous, on regarde, on lit le livre en se disant « il y a eu une catastrophe qui s'est produite ». Je pense que pour eux, la catastrophe a déjà eu lieu, de la même manière que pour nous, la catastrophe a déjà eu lieu d'une certaine façon. On vit une époque où voilà, le terrorisme est là pratiquement tout le temps, à la fois derrière nous, mais presque devant. Donc on est au milieu de la catastrophe. Et je crois qu'eux, ce qu'ils essayent de faire et l'amour qu'ils essaient de préserver au milieu de tout ça, c'est reconnaître au milieu de cet enfer-là ce qui n'est pas de l'enfer, ce qui y échappe, et de réussir à faire vivre ça le plus possible, le plus durablement possible. Ça passe par des petites choses, mais je pense que les raisons d'espérer sont quand même là, de la même manière qu'elles sont là encore aujourd'hui, je l'espère.